Donc l'histoire de ce film, alors d'abord je suis nulle en pitch, donc ça va être un pitch, faudra regarder les autres acteurs. Alors l'histoire de ce film... C'est la revanche ou la vengeance d'un homme. C'est un Père Noël qui ne va pas passer par la cheminée. Et la famille Boutonnier, dont je suis l'élément masculin, le papa, Pierre, avec ma petite épouse Patricia. Et nos deux enfants, on s'apprête à recevoir quelques amis pour fêter le réveillon. Il va y avoir une surprise, c'est-à-dire que ça va être le début du film, c'est un Père Noël un petit peu qui va débarquer. Père Noël machiavélique se glisse parmi eux et en fait on découvre qu'ils sont amis mais qu'il y a plein de secrets. Moi, je suis Sylviane, charcutière, mariée pas très heureuse, un petit peu hystérique, qui aime bien boire une petite coupe de trop, et assez mal dans ma vie, dans ma peau, donc c'est une femme pas très heureuse, mais qui veut faire croire qu'elle l'est. J'ai accepté de tourner dans ce film parce que Serge Ménard, premièrement. Ça fait vachement longtemps que j'avais envie de travailler avec lui. J'ai pas été déçue. J'espère que je retravaillerai avec lui. Et ensuite, la bande d'acteurs, c'est quand même très tentant, l'idée de se retrouver tous ensemble comme ça. Et puis l'histoire était bien. J'aimais bien l'histoire. Justement, ce truc des mensonges empilés les uns sur les autres, voilà. Alors, le huis clos. Oui, c'est pas que ça impose quelque chose, c'est que ça s'impose. C'est-à-dire que le huis clos fait qu'on est un peu comme au théâtre. On devient une espèce de groupe. On est moins l'acteur tout seul qui vient faire ses scènes. Il y a une espèce comme ça de groupe. Et moi j'aime ça. En plus, la manière dont Serge tournait, il y avait une espèce de liberté. Enfin, lui, il était très précis dans ce qu'il faisait. Mais nous, on avait une espèce de liberté quand même dans le cadre qui rapproche du travail qu'on peut faire effectivement au théâtre. Et c'est plutôt super agréable. C'est agréable pour un acteur de faire finalement pratiquement toute la totalité du tournage. Parce que souvent sur les tournages, on vient 5 jours, 10 jours, 12 jours. Là, on était tout le temps ensemble. Voilà, donc on a fabriqué le film tous ensemble, c'était bien. Il faut absolument regarder ce film. Vous avez vu les acteurs qu'il y a dans ce film. L'histoire, même si vous n'avez pas retenu le nom de Serge Ménard, c'est un super réalisateur qui a fait que des super trucs. Isabelle Gélina, Sarmel Deutsch, Quentin Bayot, Thierry Godard, Jean-Pierre Lory, Christine Sitting, la petite Marie-Cécile Wakil, que vous ne connaissez pas encore, mais vous allez découvrir. Voilà, il faut regarder ce film. Franchement, vous n'avez rien de mieux à faire. Ha 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 ha!